Jean-Gabriel Fortuné, qui ses amis ancien président Jovenel Moïse, fait comprendre li content en pile pour façon li wè enquête la avancé. Résultat ou selon li même ap tombé pas trop loin. Zami en l'autre bord, fait qu'on est Dimitri Era li même li trompé vigilance président Jovenel suite avec yon commande ki compè Jojo li même te mandé citoyen pour faire pour li en mesure de sécurité, mais mouché a li fait zafè pal. Parole sa pat jamb balé dans la République, c'est kounya l'ap tombé. C'est ça yon dou, lè di fè pran ride fon fort et lè sa wap konne Valè Kokobe qui gagne. M'a demandé pour abonner avec gros bouton ton channel Haïti Media Online. L'on fait ça, ou permet channel là avancer puis louvent et ou même ou prêter en papier banane information puisque qu'on est déjà l'on fin abonné son GPZ cloche notification retirer le sous personnalisé mettez-le sous tout. On a respect avec tout fanatique Haïti Media Online. Yo, comment nous y est-ce que nous en forme avant d'entrer plus fond, avant d'aller plus loin, est-ce que tu es déjà au courant que Aaron joue une caille président Jovenel Moïse en l'air en pèlerin 5 bois non et qu'on s'allie déjà ou si poser traverser 4 postes de sécurité pour arriver dans destination que m'sou di nous là. En tout cas, ou capable remarquer que livraison ça, li te paraît trop facile nan nan 8 6 pour entrer 7 juillet côté Nexa ou Messine meté avec haïtien qui a cherché là, meté tête ensemble pour te wété la vie président et sak pi drôle là, ça paraît bizarre, n'a va connait que personne l'autre monde pas arrivé grafoyen sauf Martin Moïse même qui blessé nan assassinat Maril. Dossier en pile, parole en pile et me dit ça même depuis une passé tibé à bord bouche moi à travers commentaire nous yo à travers like que n'a quitté dans vidéo yo moi même m'a parlé pour nous Jean-Gabriel Fortuné qui c'est une bras droit président Jovenel Moïse pour me pas dire boule grain Jovenel monsieur fait connait dans une émission qu'il t'a participé li fait que li dit que président Jovenel Moïse nan moment que insécurité t'a balé terrain mon cher ali même li té ouais que ville Angers li té mandé avec ancien commandant cap gérer sécurité par les nationales en parlant de Dimitri Era li relé à côté. Il dit mon cher, li important et intéressant pour aller faire une commande pour moi de 60 armes parce que pour capable renforcer sécurité pour j'aimerais bagaille là c'est mettre corps qui veut corps. Et bien les ça Dimitri Era lui même répond président bel oui pendant ce temps c'était un 8 li te dit fidèle Haïti Media on yo effectivement Dimitri Era lui même là le fait commandement au lieu de 60 mi c'est commandé 260 armes fusil d'assaut entrer dans pays d'Haïti et Jovenel Moïse même qui était au courant ça lui même m'a dit nous pas obligé pantane pas besoin étonné parce que me songe dans émission précédente que me t'a fait avec nous m'était déjà dit que mouché qui pote non Dimitri Era là c'est une nanne qui participe dans insécurité qui gagne dans pays là c'est une nanne tout fidèle Haïti Media on yo qui entre paquet d'armes ni de concert avec la tu qui fait passer passer domingue pour entrer dans pays d'Haïti là et monsieur l'a travail pour un compagnie sécurité privée ouais information ça m'a bon là tout monde connaît net même président Jovenel connaît et il était en train parler avec mouché blanc américain qui déjà tant mais une enquête sur Dimitri Era li même elle dit n'importe l'en besoin Dimitri li bel et bien disponible mettre entrer vin prendre fidèle Haïti Media on yo question qu'a poser kounia puisque président Jovenel Moïse même li te connaît au lieu de 60 zam qu'il te mandé mouché a pour commander a mouché a fait pas li prend 260 kounia si pas gain si tire pas ka gain voler non si président te connaît ça pour qui ça li même li pas obligé comprendre mettre monsieur de côté comme tantan de cousine y a te faire comprendre c'est on est qui intègre li pas en affaire avec moun qui gain tout dans manche pour qui ça pas tout dit bon merci en pile Dimitri Era pour c'est vous qui connait moins ou te permettre que me connait un coup d'état qui t'a fait sur le 7 février 2021 merci en pile ou mettez corps de côté parce que ou pas normal ou pas on nèg là qui crédible suite avec Zack ça que vous fait et fidèle Haïti Media on yo même Jean-Gabriel Fortuné lui même lui répéter est-ce que c'est pas un zam ça qui fan filet président Jovenel Moïse c'est question qu'a posé et l'autre bagarre encore en tant que moi même voir information si nèg en tout prête là qui me veut dire nous combien nèg là président connait cap entrer zam dans pays d'Haïti qui était bouche bé qui pas jamais dit rien l'en connaît vrai que président lui-même que quelque part lui pas qu'a dit malgré entendé il est le chef d'état lui c'est premier personnage public dans pays d'Haïti n'en connaît même Jean-Gabriel Fortuné fait comprendre mon cher gain parine gain marine lui supposé contrôler fait bécal elle a parlé permettez-moi l'expression fait dans Haïti Media on yo l'autre bagage qui important intéressant que n'a prendre dans cadre émission ça selon Fortuné lui-même lui fait comprendre puisque n'te connaît président te prend une initiative pour te ba un paquet ministre là de charge et bien forme dit nous suite avec initiative ça qu'il prend c'est une bagaille parmi l'autre qui engendré assassinat président et l'entente tande que Gabriel Fortuné lui-même li tape parler des affaires par un Jovenel qui touye même te poser question pour me faire comprendre est-ce que c'est pas un mariage est-ce que c'est pas une qui te coiffe la présidence li est-ce que c'est pas une maman la papa li te bali depuis l'elle fait li dit mais qui est-ce qui parle nous tout ça c'est question que me t'a posé et bien Jean Gabriel Fortuné lui fait comprendre lui même suite avec des charges que nous te connais yo puisque nous connais Laurent Lamotte en tant qu'ancien chef
chef du gouvernement sous la présidence Michel Joseph Martelly, c'était des nèg, des alliés, des bons amis, des grenadada, des bandits légaux que nous connaissons déjà. Mais nèg ça même par contre ça t'après le passé, bonnet tout après lui des têtes au côté l'eau en la mort, il était crason quitter ça avec Michel Joseph Martelly, nèg yo pas d'amis encore. Et fidèle Haïti Media on yo, nan songe que m'te dit nous dans les coulisses que m'te recevoir, tête assemblé que suite avec des charges que l'eau en la mort recevoir, et ben Michel Joseph Martelly même li pas d'accord pour façon que Jovenel lui-même li prend décision. Mais m'a rappelé nous Jovenel grand nan bouda qu'il est, il était en fait comprendre qu'il n'est qui voté lio, si nous pensons que Gavin commande le parler dans tête pays a doit ça qu'il dévoté a couper jeter ou bien la gueule non flamme divé. Est-ce que nous comprendre? Avait dit monsieur lui-même li pas prend dicter dans même son et suite avec des charges si là selon Gabriel Fortuné tonton ça lui-même li était fâché en parlant de Martelly, il était fâché en pile parce qu'il connaît gagne a fait élection qu'a parlé là et Laurent Lamotte lui-même li gagne ambition pour la poser candidature à la présidence dans élection qui gagne pour faire dans élection qui gagne pour venir là idem pour Michel Martelly même en tant qu'ancien président d'elle fait musique yo bagaba nous tendez déjà en tout cas problème yo en pile bagay yo vraiment drôle dans la république mais fidèle Haïti Media on yo selon Gabriel Fortuné lui fait comprendre Jovenel Moïse c'est un esclave en parlant là on parle de esclave puisque nous connaît déjà dans pouvoir ça bien système ça qui est cap nourrir nous connaît qui est qui patron système là et bien fait comprendre que Jovenel lui même depuis c'est qui passait dans tête pays d'Haïti depuis après 1986 et bien tout ces esclaves mais Jovenel lui même yon en dehors qui Martelly t'a prend l'elle rivé là et bien Jovenel lui même dans décision qu'il t'a prend l'état prend pose rebelle il t'a fait pose tech tech li et bien par une yoté constaté que monsieur c'est un poison violent qu'il t'a représenté c'est une menace qu'il t'a représenté pour yo et bien pour ce faire yo pour de ce faire alors yo font bagaille yo font façon yo va aller président Jovenel Moïse dans façon en pile dans nous déplorer bagaille en pile bagaille vraiment drôle les amis Haïti Media on yo et vont me dire nous là tout selon Gabriel Fortuné qui parlait qui fait comprendre à clair que monsieur lui même dans affaire référendum qu'il l'ait choisi changer constitution pays d'Haïti et ouais comment nèg te campé et nous connaît tout toute lobby qui t'a fait dans pays tonton Sam côté nèg t'a payé gros tonton l'argent pour permettre transition fait dans pays d'Haïti et nous connaît Jovenel Moïse même dans toute déclaration il était en fait comprendre si a gagnon transition dans pays d'Haïti l'a fait avec et c'est dernière transition qu'a fait dans pays pour me citer parole ancien président Jovenel Moïse qui nèg yo crabine bagay en pile bagay drôle et me souvent dit Jean en pile nan nèg sa yo la k'a fait politique bon capable dit politique parce qu'il me dit Haïti pa gen aucun politicien vrai k'a pratiqué bonne politique là mais ou pa kete a fait pa yo a fait c'est intérêt mesquin yo y a géré Jean nèg yo te konn faire comprendre que président Jovenel son dinosaure sept têtes son nèg ki gon on mayas nan piel mais semblé pas comme ça va la parce que pour ça tout complot ça nèg yo te mouté pour été la vie président te gen en pile nan nou là en tant que haïtien qui te commencé rail président malgré pas te connaît mais va me dire nous ça à force n'a pas tant de nèg yo k'a promoter pour rail président mon cher li normal pour rail vrai oui pendant c'est même si pas te connaît cause là zami Haïti Media on yo moi dit ça déjà parrain Jovenel yo mais parrain Jovenel là lui même dit gen yon seul slogan qui dit trahir là mourir là et ben c'est objectif ça même qui cause ou est Jovenel crabiner comme ça et me saute là déjà c'est une livraison selon Gabriel Fortuné parce que pour prendre président mon cher pas pour mentir nèg ça OK nous ouais là nous songe passage président en gonaïve nous pas trouver les soldats nèg ça te gagne et bien regardez mais comment ils rentrer ils prennent là bagaille en pile bagaille drôle l'autre information que me va partager avec nous amis Haïti Media on yo cadavre président Jovenel Moïse selon information que me joine là l'état doué entrer dans Port-au-Prince pour qui ça suite avec unième voyage que nèg yo unième visite que nèg yo fait dans caï président en parlant des agents FBI yo et bien selon indice que yo joine yo t'a demandé que yo besoin ouais cadavre là avec propre j'ai pas avec propre na ouais yo mais m'a demandé est-ce que cadavre là obligé faire tout trajet ça nèg yo te cap un hélicoptère là rivé au cap al garder cadavre là mais nèg yo dit là que soi-disant que cadavre président li ka tourner fidèle Haïti Media on yo avant ba nous information ça parce qu'il va me dire nous gouvernement haïtien ça gagne un marché pressé que y a fait avec cadavre président mais l'important pour me dire avec Moringa Haïti qui gagne deux produits gagne outils gagne ban gagne outils à son pour mettre 100% organique koto capable massaer tolpin là détirer allonger le bali bon gens forme couvler là et pas gagne aucun effet secondaire pour faire régulièrement ou si poser joindre résultat dans moins que 2 mois et gagne ban dans son comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles dès pour commencer boire 3 chaque matin dans 7 premiers jours ou si poser guéri avec chipé femme la chipo sous carbone là pas du bonjour le matin pas boti pain à café à pas faire banane azur parce qu'on pas ca bail rendement carbone et mais avec Moringa Haïti tout problème ça yo résoudre le numéro ça ou bien écrire sur WhatsApp pour capable placer commande et gagner plus éléments d'information fidèle Haïti Media on yo m'a rappelé nous selon information
information qui m'arrive jeune là, nous connaissons une commission qui composé de 7 membres qui déjà là qui a planifié ou bien qui a battu pour faire et funérailles Jovenel Moïse. Et bien vendredi 23 juillet 2021, c'est date qui kembe pour chanter enterrement président Jovenel Moïse. Mais m'a posé question pour qui ça nèg doit faire tout marché précis ça avec cadavre président, l'aime connait cadavre là qui a fait n'importe ou prendre n'importe un mois, deux mois là depuis bien protégé, il pas gagne aucun santo. Nous pas comme ça. Est-ce que Martin Moïse même après le fin subi opération ça, il va entrer dans pays d'Haïti pour venir assister ou prendre enterrement Marie. Tout ça c'est question qu'a posé ou bien nèg yo prévoit faire enterrement derrière de Martin Moïse, nèg yo ka fait ça va yo enrage dans pays à forme d'où ça. Bagay yo en pile, bagay yo vraiment drôle, mais m'a mando tout fidèle Haïti Media on yo pour capable download application qui pote non Zabdilla qui fait spécialement pour tout fanatique tout monde qui a coûté là l'homme mette application ça sur téléphone smartphone nous m'a bon menti ti problème côté gain rasé ou son machin ou pas rasé ça passe ou pas un clientèle pas gain problème download application ça n'importe ça gain la ca mettre poster sur bouton ton application et ou même tout qui son machin ou bien rêve font business ou gain clientèle à l'aide des applications ça parce que m'a dit nous majorité monde qui trouve à travers le monde c'est sur gros bouton ton application ça yo fait marché bagay yo en pile bagay yo drôle qu'il n'y a pas une autre mission li important pour mal inviter nous pour mal inviter nous tande Jean-Gabriel Fortuné lui-même qui t'a parlé non station de radio mon cher Mbappé Bamanti ni c'est bay en pile élément d'information et ou même ou ap content qu'on est ou ap content comprendre nan ki tran président Jovenel Moïse même li prend on a l'écouter moi même en tant que voix information écouter après ça qui te commentaire pour moi m'a gardé ou tout de suite après pas même quand après ça passe. Et moi, j'apprends ça très, très, très tôt. Et puis, j'obtiens une confirmation. Mais une confirmation, c'est comme si c'est une sorte de démenti. Et qui paraît arriver, malheureusement. Et puis, dans l'espace côté de TIA, j'ai fait des sympas. Les sympas, comme une monde vraiment qui tout menti. Et jusqu'à ce que je commence à aider des amis. Je me dis, mais ça a dit que j'ai eu. Mais c'est très tôt pour m'aider à tout le monde. Et finalement, bon, vraiment, je me suis dans la trompe. Il faut pas réfléchir à ça. Il ne pas réfléchir. Maintenant, il y a un pile de qui parlait, il y a un pile point qui avançait. La police a avancé avec enquête-là, il y a des mesures qui prennent, il y a des décisions judiciaires et administratives qui apprennent là. Comment vous voyez avancement enquête là pour t'as dit bah jouer une vérité sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, moi-même satisfait des avancements enquête là. Nous avons deux entités qui travaillent conjointement, c'est des entités haïtiennes pour la justice et maintenant les entités internationales, notamment les États-Unis. Moi, je pense qu'il a avancé et je suis que le peuple haïtien qui est pour le coup jouer une vérité sur l'assassinat Jovenel Moïse. Ouais, vous avez des informations, on parlait avec un pile l'autre gros chef. Qui sont commencé à jouer comme des éléments qui t'a dédié à l'assassinat de Zamou Jovenel Moïse? Bon, même si je t'ai joué des pistes, je ne vais pas avoir le droit de mettre le dehors. Parce que nous enquêtons aussi, qui a toute émotion ça derrière, qui est aussi délicate. Et il faut tout le monde gagner une posture qui peut aider et enquêter à arriver jusqu'au bout. Cependant, même le gouverneur Motel, et lui poser une seule question. Comment Mercenario fait pénétrer avec autant de facilité pour y arriver dans la chambre brisée alors que vous avez au moins 4 postes de sécurité pour franchir l'un après l'autre, vous avez des agents de sécurité du président qui est normal, que tout le monde connaît, et bien des responsables de sécurité, des commandements, et services sérieux, troupes sérieux, etc. Donc, question ça y est très pertinente. Et c'est sur moi-même d'abord, moi, m'arrêter pour me dire que le président a été livré. Et donc, ça, c'est pas un secret. Ça n'a pas détourné enquête là, pas merdé enquête là. Le président a été livré. Maintenant, qui est-ce qui a intérêt pour assassiner le président? J'ai assassiné là. Et pourquoi pas pour assassiner les bon, une manifestation de la haine sociale? Nous avons deux groupes, nous avons une minorité dans le pays, nous avons une grande majorité qui a une histoire. Malheureusement, une très mauvaise histoire. Malgré la vie sur Tessa, mais sous des tensions sociales.
entre cette minorité et nous-mêmes. Et tension sociale, ça arrive à travers l'itinérature, nous, à travers le sociologie du Valier, le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti, l'idéologie des couleurs classes sociales en Haïti, etc. Où j'ai pas mal de documents d'expliquer ce que ça est. Claude Moïse, lutte du pouvoir en Haïti, etc. Donc, qui vivait là, malheureusement, là, cette manifestation de la haine. Maintenant, il y a l'autre, c'est la question de la mafia en Haïti, une sorte de mafia d'État. Où une jeune des organisations politiques, où une jeune des organisations populaires, qui est de mode opératoire mafieux. Parce que l'État est capable d'accommoder de la corruption, mais l'État n'est pas capable d'accommoder de la criminalité. Donc, on vient que, comme on dit, des organisations avec des dominations politiques, mais en fait, c'est des organisations criminelles qui kidnappent l'État depuis 15 à 20 ans. Ils kidnappent l'État, c'est parce que nous vivons là. C'est pas sans raison que sur les réseaux sociaux, il y a un capaché qui trahit la mourila. Ça, c'est le slogan de la mafia. Toute nouvelle. Trahit la mourila. Sous 100.9. Donc, si au moment de l'œuvre tout ça, on voit comment le parrain a l'obtenu avec le parrain, qui est masse pour qu'il n'a pas compris. Et sur le parrain, et c'est sur les gens cultivés, ils comprennent le parrain. Non. Mais quand ça, c'est le parrain, c'est un des mondes sous couvert de l'État, sous couvert de la politique, qui est des organisations criminelles. Et puis maintenant, qui s'est parrain du journal tout, on parraine journal, et puis maintenant, qui livre le journal. Bon, maintenant, est-ce que le journal trahit ou pas, ça, c'est une autre question. Mais maintenant, garder un pays qui l'impunité, c'est la règle, l'impunité, c'est la règle, l'immunité, c'est que les hommes politiques, c'est la règle, et garder ce type de châtiment qui est infligé à Brésil. C'est ça, porter la marque de la mafia. Écoutez la marque de la mafia. Écoutez la marque de la haine sociale, de préjugé. Parce que le président de la journée, je dis tout, c'est comme des petits coussards. Un petit esclave qui désordre, hein, qui a joué de la cour des grands. Vous faites payer ça. Mais c'est le seul bail pour le monde qui a fini. On est des classements, un acte politique, etc. C'est le seul bail. Je dis, si nous continuons comme ça, c'est ça qui a privé. Donc, c'est quand même, c'est inqualifiable. Et en 2021, pour c'est ça, il ne peut pas vivre. Vous comprenez? Donc, c'est un qualifié. Monsieur Fortuné, est-ce que nous avons parlé là, ou du recevons appel très tôt, est-ce qu'il y a une chronologie des faits entourant l'assassinat du président Moïse? Allô? Est-ce que. Je ne peux pas attendre moi à un assassinat, même pas attendre moi que le président ne doit pas même faire mandat. Non, nous avons parlé de chronologie. Chronologie des faits. À qui l'est? Je m'ajoute sur la question du référendum. Je positionne tout sur la question des élections, du calendrier électoral. Sénateur. Mais le président vient avec la question des charges là, il parle avec lui. Le président, c'est une question explosive. Il dit, ouais, mais c'est pas tout le monde, c'est le monde qui a un rapport favorable. Et puis, oui, il dit, c'est un rapport favorable. D'accord, les gens vont mourir à cet homme. Il dit, le président, mais quand même, c'est explosif. Pourquoi c'est un fait accélérateur, un fait déclencheur? Parce qu'il y a une question des charges là, il vient de mettre. Et les frères ennemis, vraiment, petits frères ennemis, et pour Edouard Lamotte, pour Michel Matéti, qui étaient ensemble, qui étaient deux couplés, deux frères, dans le concept paillot, des bandits légaux. Et puis maintenant, ils viennent, non, malheureusement, ils viennent d'un dîner, puis je ne sais pas pour qui ça. Et puis maintenant, tous les deux candidats. Tous les deux candidats. Et tout le monde qui t'a parlé, tout le monde qui t'a candidat, il a parlé de Madame Président qui éventuellement était candidat. Mais ça n'a pas expliqué cette réaction. Parce que nous n'est pas candidat. Il y a des gens qui peuvent parler de ça, mais où qu'il doit candidat, Robinson. Où qu'il doit candidat, ça n'a pas expliqué cette histoire-là. Donc il faut en aller plus loin. Il y a des gens qui président en face directement. Alors on parlait de l'oligarchie d'Haïti, mais ce n'est pas toute l'oligarchie, ce n'est pas tout ce qui est privé des affaires là, qui est président en face. D'ailleurs, il y a la Delta qui travaille avec eux, il y a la Delta en face. Mais il y a deux. Oligarchie qui va se cacher maintenant et il va se cacher pour nous qui mettez fin à cette question ça de façon brutale. Comprend Réginald Boulos, Dimitri Vop, et qui tout dit à jouer avec le président jusqu'à ce que ça cabasse. Donc c'est la piste intéressante. C'est la piste intéressante de cette période même pas cacher. Mais maintenant, à eux-mêmes seuls, l'oligarchie, c'était des affaires, il n'est pas capable de mettre assassiner le président. Il a fallu ce complot. Maintenant, de tout qui ramassait tout le monde qui a des revendications, qui a des problèmes sérieux avec le président, et surtout face
à la question de 2022. Et puis maintenant, le président a assassiné avec autant de facilité. Et donc c'est là pour nous chercher qui soit, et nous connaissons là l'enquête et tout. Mais il y a une diversion à faire, mais ce n'est pas seulement en Haïti qui est diversion faite, la guerre qui est sérieuse. Il faut que le peuple ait été fait, parce que l'Union est quand même en fait sur quelque chose. Ce n'est pas seulement pour le journal, c'est pas surtout pour le journal. C'est parce que le prochain président, comment on va le vivre? Maintenant, les présidents du monde entier, est-ce qu'on va quitter ça comme sorte de modèle, comme mode obligatoire pour résoudre des conflits politiques, des désaccords politiques? Non, il n'y a pas qu'à faire ça. D'autant plus, on a institué le tribunal pénal international. C'est pour faire face à des présidents qui ont des comportements vraiment indésirables face à eux, qui commettent des crimes, donc il faut aller répondre devant la justice. Mais ça veut dire que le monde dépensait qu'on mettait fin à la question assassinat président. Jusqu'à présent, il y a fait coup d'État, mais on va tuer le président, on va assassiner le président, on va déposer le nouveau. Monsieur Fortuné. Avec toute dignité. Monsieur Fortuné. Sénateur. Pas capable là. Sénateur. Qui est-ce qui parle de président Moïse où tu as parlé là? Oh, pourquoi on n'aime pas prêter une question? Ça me fait 8 jours à parler de ça. Et c'est une question à haute sensation, mais c'est une question sérieuse. Parce qu'on va parler de la mafia. On va parler de le parrain, c'est la haute mafia, et on va parler de parrain. Je dois parler de ça. Moi, même différence qu'il y a avec peut-être d'autres politiciens, c'est même bien moins dans l'initiative qu'à prendre là. Je parle de faire exprès de contourner la question sérieuse. Qu'est-ce que sérieux à juste dire? Ou bien nous pays côté pour vivre là-dedans, il faut un bagage qui passe à l'homme. Il faut une délinquance, il faut une corruption, jusqu'à ce qu'on arrive dans votre criminalité. Et maintenant, comme je vous dis plusieurs fois, sur Magique 9, la question des commissions de vérité sur les crimes économiques pour approfondir dans ce politique du temps qui a à voir avec la question de la corruption dans le pays. Et, tout le monde dit que c'est une bonne gestion qui est des premiers ministres. Comme pour un premier ministre, il ne peut pas dire aucune préoccupation qui a préparé le demain matin. Parce qu'il n'y a pas grand-chose pour le coucher. Mais il y a des premiers ministres qui ont aimé le premier ministre à vie. Il y a des premiers ministres qui ont aimé le président à vie. Parce que il est tellement déçu le pays, et ben vrai, il est tellement plongé de la politique de la criminalité, il n'y a pas le monde découvrir formellement ça qui fait. Mais maintenant, nous avons des bagailles qui nous amènent là, c'est la question pétro-calité. C'est lui. C'est là qu'on allait. Il faut nous faire l'outil sur pétro-calité. C'est une commission. Je veux dire, toute initiative qu'on prend, si nous avons une commission de vérité sur l'économie qui financière qui passe dans le pays ces 25 dernières années, nous ne pouvons pas aller nulle part. Démantèlement des entreprises publiques pour qu'ils soient au profit du secteur privé. Mais il faut aller là. Il y en a été fait MEP. Mais c'est MEP là qui fait transfert entreprise de l'État pour partir dans le secteur privé. Mais il faut nous aller là. Il faut nous aller là. Monsieur Fortuné. Quittez mon petit j'ai interrompu. Pendant que je là, on dit que l'État est capté depuis 15 à 20 ans par organisation criminelle du président Moïse Guimparin. Si j'ai bien compris, l'essence du président, du pouvoir du président Moïse était mafieuse également? Écoutez, depuis Aristide 2, alors que Aristide 1, c'est 91, qui fait 7 mois, et malheureusement avec un coup d'État. Mais depuis Aristide 2, nous sommes dans l'autre extrême. La clientèle politique, c'était des délinquants. Nous parlons d'un mouvement populaire sain qu'on pose en 1946 qui vient métamorphoser en des groupes de délinquants, des groupes de base, etc. Et si jeune Jean Sayou, c'est pas l'école Royo, c'est pas métier qui fait apprendre, donc il fait affaire des actes criminels pour être capable de vivre. C'est un pile organisation dite populaire, dite politique, des partis politiques, ce sont des organisations criminelles qui prennent l'État en otage avec la complicité expresse du secteur privé à essayer de bénéficier en premier lieu de quelque chose à eux. Des organisations politiques qui 15 à 20 dernières années, ça y est, pour un pays en état, et c'est des organisations politiques mafieuses qui ont eu. 10 dernières années, ça y est, c'est régime Matéli, PHTK. Est-ce que c'est toi? 10 dernières années, moi je parle de Aristide 2, Aristide retourné en 1994. Nous prenons l'autre extrême.
C'est-à-dire comment moun fait quoi mode de vie à qui t'a lié dans l'état de notre privé, comment moun fait quoi. Nous parlons de drapeau, mais vous avez dit tout à l'heure, entre 15 à 20 ans. Monsieur Fortuné, il faut que nous parlions de drapeau pays, nous n'avons pas tourné pour que nous continuions avec l'interview. On a parlé avec Gabriel Fortuné. Gardez à vous tout le monde, monsieur drapeau pays, nous n'avons pas tout de suite. Fidélité à attention, nous avons avec nous en ligne ce sénateur et maire de CAI, Gabriel Fortuné Robinson. Nous retournons pour nous poursuivre avec l'interview avec M. Fortuné. Oui, tout à fait. Sénateur, merci parce que vous avez une conversation pour la voix. Vous avez souligné, étant donné ma première question, ça, vous avez une précision claire, et que Jovenel Moïse, l'idée par rien tout. Et par rien, il est fait avec cette mafia que vous avez parlé là. Si vous comprenez, Jovenel Moïse, l'idée fait partie de la mafia en Haïti. Écoutez, vous croyez que ma prise Jovenel Moïse comme président, quel que soit le salta capable de commettre comme président, ça n'a pas autorisé, mais ça n'a pas capable de dire, nous d'accord, comme j'ai dit de certaines radios, je m'attendais qu'il y ait des jeunes, ça le méritait. Parce que c'est des propos inhumains. Mais tout, nous n'avons pas capable de dire Jovenel Moïse, c'est un sincère baïdiste. Il y a des grosses responsabilités dans sa privée. Comme il est président, assassiné la CAI. Tout pour les amours, le monde entier. Mais avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous sommes dans un pays côté, il y a assassiné citoyens, il y a tué le monde à toute impunité. Et pouvoir tout traité, pouvoir qu'il a. Et président Moïse, moi-même, attitude lui, t'es laissé à désirer. Femme dit la vérité. Nous pays que la vérité n'a pas qu'à aucun côté. Comment expliquer un président de la République qui paye une commande pour acheter 60 fusils d'assaut? C'est vrai? Maintenant, le monde qui recommande d'en acheter 260 fusils d'assaut, il y aurait le président 60, et le président qui connaît ces 260 qui l'a. Et comme le monde s'est un gros outoubri, maintenant, plus ça, je ne sais pas comment ça le fait. Je me demande si pas, dans le dessin, si pas rien à dire, tu es Jovenel Moïse. Et si ce n'est pas dans le dessin, et si il y a le dernier monde qui mouille avant, ce n'est pas lui qui le. Donc, nous ne sommes pas capables de gérer les gens qui d'habitude. Qui est-ce qui fait comment ça, le sénateur? Moi, du président qui va acheter. À un responsable de sécurité lui, qui a une compétence pour ça, sans stress, maintenant pour faire commande. Effectivement, commande en fait, mais c'est 60 présidents qui ont acheté, il a acheté 260. Le président te connaît, mon langue 200, non, le président te connaît, tu vas dire le monde dans la vie d'âme. Mais mon ça, c'est notre président. Est-ce qu'on a parlé de monsieur? De qui est-ce qu'on a parlé? De Dimitri, là, c'est Jean Aguel Civil, de qui est-ce qu'on a parlé dans l'OTA? Non, m'a parlé de Dimitri. Et
qui te gagne commande ça. Vous comprenez? On parle de figure. Maintenant, la radio, la télévision, match 9 tout, tout un autre qu'on a dit, et là, quand on mange pas les cailles, on a bonne munition, on a bonne âme, il y en a deux présidents, il y en a deux pouvoirs, etc. Et c'est la vérité. Il y en a deux secteurs privés. Mais je dis à nous, pas besoin de peur, que si nous, pour nous continuer à vivre, on dit la vérité. C'est le secteur privé, mon qui gagne l'argent, avec pouvoir, hein, mon qui gagne autorité dans le pays, qui gagne les armes, qui gagne la loi, etc. C'est eux qui mettent dans ça. Hein? Ils ont détruit la police, ils ont fait la police cohabiter avec des bandits. Ils ont détruit la police. Et mafia en premier, ça le fait. Puis il y a deux, trois institutions pour le détruire. Il faut le détruire la police, il faut le détruire la justice, il faut le détruire le service de renseignement. C'est ça la mafia. Et ouais, il ne va exister vraiment. Nous n'avons pas gagné l'État encore. C'est dit, pour faire l'argent facile, l'argent noir, hein? Donc, il ne faut que l'institution pas fonctionner. Hein? C'est pas sans raison qu'à nos jours, nous détruisons toute institution. Nous n'avons pas fait le bas mon sort. Hein? C'est la seule façon pour que la haute corruption, pour que la criminalité, pour que l'institution ne fonctionne pas. Et du fait, pas aucune institution qui est arrivée à fonctionner dans le pays, jusqu'à ce qu'on arrive dans le pays, et au sein des trois pouvoirs, yo. Alors là, les gars, vous votez la question des trois pouvoirs, vous ne pouvez pas exister. Il ne va exister. Donc c'est ça, c'est là que vous regardez. L'autre question que vous regardez encore, c'est la question de 2022. Oui, mais avant votre compétition, avant 2022, sénateur. Vous n'avez pas de compétition avant. Sénateur. Oui, sénateur. Avant avant, c'est en 2022. Abin Soudi, nous allons mettre ça en perspective. Mais quand on parle d'institutions qui détruisent, on a regardé justement le sang au président Jovenel Moïse. C'est lui-même qui contribue à mettre toutes les institutions à tes places. C'est lui-même qui fait la chose. Non, non, le président lui-même, du président Jovenel Moïse, tu n'es là, il a fait sous lui. Et j'ai découvert, ouais, voilà, vas-y. Il y a le bail de karma, etc. Mon ami Stipio. Qu'est-ce que ça, déjà? J'ai dessiné là. J'ai joué au même niveau de l'équipe, le dernier moment. Ben, elle arrive dans la chambre, la caille. 200. Sénateur Fortuné. C'est révoltant, moi-même. C'est mon président. Et me dit, ça me dit. Et dernier jour, vous nous m'appelez avec vous. Peut-être pas pour nous terminer dans notre tombeau. Sénateur. Il te mette mon pot. Pour nous mettre en perspective, deux informations. Fait que nous avons un fusil d'assaut qui est manquant, qui est retrouvé dans la nature. Et plus de 5 ans après, enquête ça pour que je ne me dise rien. Maintenant, là, on partage avec le public là une information qui dit que tu as gagné, président Moïse, via M. Hérard, et tu as assuré que tu as une commande de 60 Galil qui fait. Au lieu de 60, tu as acheté 260 et gagné 200 fusils d'assaut. Est-ce que c'est des fusils qui sont dans la nature? Est-ce que tu as ajouté à l'autre fusil ça y est? Quelque part, et l'OAP ajouter l'élément sérieux ou rendre compte que le palais national semble être une plaque tournante de quelque chose de très monstrueuse, monsieur Fortuné. C'est pas assassinat, ça nous comprenons pas. Nous prenons des conditions. Pas mal, aucun des secteurs qui entendent dans le pays pour venir juste dans la criminalité. C'est l'argent en contrebande, c'est l'argent en drogue, c'est l'argent en corruption, détournement pour l'État, gaspillage, etc. C'est le secteur privé et l'État. Comment pour mon entrée dans le pays? C'est la façon pour faire. Faut contrôler les douanes. Ou qui est-ce qui contrôle les douanes dans le pays? Mais maintenant, c'est l'État. Qui est-ce qui fait qu'on gagne venir? C'est le secteur privé. Qui est-ce qui gagne l'argent pour acheter les armes? Les amis, c'est mon qui est pauvre, c'est le secteur privé, c'est mon qui dans l'État, qui a fait l'argent sale. Hein? C'est le secteur privé. Mais maintenant, quand il y a mon salaire, les gangs, à un certain moment, on te dit que c'est un communautaire qui a fait. À un certain moment, c'était des leaders communautaires. Non, au lieu de au livre, hein? Il y a au métier, il y a aux armes. Et si monsieur, ça, il n'est pas capable d'acheter les armes, il n'est pas capable de faire commande d'armes. Hein? Ils ont mis la trouble, c'est l'argent facile. Parce que l'argent facile, l'argent noir, on n'est pas capable de faire lorsque le soleil a clairé pour mettre fait noir. Et fait noir, c'est ça nous tape vivre là, jusqu'à ce que Jovenel nous assassine. Donc, maintenant, il y a là, pas besoin d'assassiner, non, il n'y a pas pour ça qui est important. Quand il est important, combien c'est répondre à la question que faire. Nous pas arriver dans que faire là, mais vous partagez des informations là, que le président Moïse te connaît, qu'il y a 200 Galil. Oui, tu te connais, mais tu te connais à faire des informations. Parce que si tu connais, comment tu ne peux pas connaître. Ça le fait à ça, ça le te fait à l'information ça. Est-ce que... ça rien jusqu'à ce qu'elle paye ça. Magique 9, toute nouvelle. Ça rien jusqu'à ce qu'elle paye ça. C'est là qu'il y a sa question mystique là, oui. Si on fait ce que vous mais s'il te paye payer la sécurité, je ne vais pas mourir dans la condition ça. Maintenant, où ça dit là tout à l'heure là que. Qui t'a posé une question directement? Lors du parrain livre, là, il y a des gens qui pensent automatiquement à Saint-Président Martelly. C'est ça que tu es dans la tête, ou c'est ça que tu as envie de dire, c'est ça que tu as dit, ou bien mon Dieu doit comprendre notre bagaille? Bon, moi-même, pourquoi tu ne peux pas me banner au log? Je ne peux pas raconter ça qui a passé toute la bagaille, c'est une cellule, mais comment on peut pour balancer toutes les formations là, chaque radio a pris l'eau pour dire que. Alors, toute la radio, c'est des gens intelligents. Il y a tout ce qu'on a fait, une émission, tout ce qu'on fait, je te dis la vérité. C'est pas je dis à qu'on fait la vérité.
Mais qu'on y a pas de chercher qu'on est, ça qui fait là, pour qui ça le fait, toujours un mobile. Un doigt, c'est ça qui est important. L'intention, le mobile, l'objectif. Quel bagage clair là, oui, pas clair, pas clair. Qui est le parrain? Est-ce que ce parrain. C'est pas beaucoup clair. Pardon? Beaucoup clair, c'est la map de nous-mêmes comme société haïtienne. Nous voulons recommencer, moi, puis l'initiative à prendre, mais nous pas parler du crime économique et financier. Mais qui te oui, on dit ça déjà, mais qui te sous question directe ça, et pour lever toute suspicion, pour confirmer. Je vais vous répondre déjà, le parrain, qui est parrain, et Lionel, maintenant, les facilités, ils ont parlé, peut-être pour des bonnes raisons, parce que la mafia, il y a une façon de fonctionner. La mafia, il y a un mode opératoire. Ça, il a mouru là. Ouais, donc, les facilités qui ont entré la carrière président. Mais, même moi qui commande la présidentielle là, je n'ai pas capable de décider ça pour côté, non. Moi qui est responsable de sécurité président, je n'ai pas capable de lever un jour, et peut-être même s'il est fou, pour abattre l'ordre, pour mon entrée comme président comme ça, non. Il faut qu'il y ait un frère qui facilite ça. Il a su avoir des instructions, tout. C'est même quand il a eu, il a su avoir des instructions. Agent qui a reçu des instructions. Mais c'est normal que le monde entier n'est pas capable de comprendre qu'il y a des êtres humains vivent à ce niveau en 2021. Comment autant de monde, autant de postes, capables de jouer une telle complicité, une complicité parfaite, pas même une complicité, une implication parfaite jusqu'à ce que le crime soit commis. J'ai un commis là. Pour vous dire tout à l'heure, des charges là sont accélérateurs de l'assassinat du président Moïse. Oui, c'est pour moi, c'est un accélérateur. Pourquoi? Parce que, bon, alors, à part la question mafia, qui est réglé, mais qui est question 2022, qui est l'enjeu? L'enjeu de ce qui s'est parlé là, c'est la question de 2022. Vous comprenez? Qui est secteur mafieux qui peut prendre pouvoir? Qui est secteur mafieux qui peut prendre pouvoir en 2022? Oui, allez, qui? Voilà. La seule consolation, moi-même, c'est que 2022, pas fait. Il dit qu'il n'y aura pas de 2022. Alors nous, on est capable de dire que nous, en 2021, dans 5 mois, c'est 2022, nous sommes capables de 2022. Mais nous, comme ça, on dit qu'il n'y aura pas de 2022 parce que nous payons assez pour 2022. Nous faisons 5 ans. Nous détruisons tout PMU dans le pays. Nous détruisons l'espoir dans le pays. Nous détruisons le monde directement. Tout le monde qui n'a pas de ce côté-là pour 2022. 2022, il n'y a pas de capable de faire. Il n'y a pas de faire. Maintenant, où est ça qui est là pour. Il y a une bataille pour le pouvoir. Et est-ce que ça surprend nous? Est-ce que ça est une bataille pour le pouvoir là? Est-ce que c'est même petit bagaille là qui a continué avec d'autres visages? Ou bien est-ce qu'on va payer à ta sous-route pour faire transformation à chercher là ou espérer là, notamment avec l'instruction et la vérité sur les crimes et économiques et financiers qu'on évoquait là? Mais maintenant, d'autres aspects ça, M. Fautre. Non, pas du tout. Les mêmes visages, les mêmes combinats, les mêmes politiques. C'est eux-mêmes, je dis, à faire proposition pour mettre un président, pour mettre un premier ministre, seulement pas dans l'objectif de 2022. Une diversion, on va faire ça, c'est même eux-mêmes. Hein? Maintenant, comment. Non, mais c'est moi. Il y a des initiatives qui ont pris, c'est le postule. C'est le bal des imposteurs qui a passé là. Hein? C'est le bal des imposteurs. Expliquez-moi, bal des imposteurs, vous me comprenez, vous me dites. Maintenant, on a une situation côté où il n'y a aucune provision constitutionnelle et légale pour faire face à lui-même. Aucune. Acteur sérieux, politique sérieux, c'est eux-mêmes qui risquent ça. Deuxièmement, on a une situation côté où nous avons fait recours à l'international qui fait des recommandations. C'est vrai? Des recommandations de l'OEA. On a des gens qui disent qu'ils ont parlé de l'article 59. Mais maintenant, depuis 2020, il y a une rupture à notre démocratie constitutionnelle. Que malheureusement, toutes les formes d'effet au palais. Qui réfugie caractériser ce moment pour que ça tourne un moment exceptionnel. Hein? Et puis, par la suite, que nous sommes capables d'entendre nous sur une page de gouvernabilité, etc. Mais ce n'est pas ça qui est fait. Nous, on a une situation. Des fois, nous sommes capables de faire politique dans la société civile là, qui m'a dit tabou la rase, tabou la rase. Et on joue. Mais si nous sommes capables de tabou la rase, on joue. Mais qu'on y a là, quand on est problème à l'équipe, à un certain moment. À un certain moment, pour tes mouns, pour tes journal. À un certain moment, pour tout le monde, il faut être un petit Jovenel. Mais Jovenel mourir, là, ça se met à au moins, alternative, là, après 9 jours, il faut être prise de peine. Oui. Comment expliquer, pas même bien, même pour la communauté internationale, pas pour Jovenel, pas même bien, minimum de temps, pour nous dire, on fait finir ça, avec cadavre en barrage, ça, on voit, on tue ça, pour nous faire pour la communauté internationale, là, pour notre peuple qui a gardé nous, on nous fait
et funérailles là, en fait, là, et parallèlement, il y a des groupes de réflexion qui ont domestiqué pour répondre à la question qu'il fait. Hein? C'est ça qui vous a fait. C'est des groupes de réflexion pour mettre sur pied. Et initiative, ça, je veux dire, qui est-ce qui vous apprend? Mais maintenant, de toute façon, c'est nous-mêmes qui vous apprenons. C'est au niveau de la société civile, pas que vous déterminez encore. Mais maintenant, quand même, l'église là, quand même, la Cour de cassation qui est juge là, il y a des sénateurs restreints qui, là, malheureusement, l'initiative de Lambert, lui, mettait en situation difficile, et les sénateurs. Mais quand même, il faut qu'on passe par là. Mais je tiens à ce groupe de réflexion pour dire seulement, nous pas besoin de préciser pour nous mettre mon imprimatur, nous n'en parlons pas, ça particulier, hein, pays à partir de nous. Et je vous regarde, ce n'est pas l'émotion hein, non, qui fait pays à calme. C'est parce que l'État, parce qu'un quotidien du peuple haïtien, depuis 2 ans, nous pas gagné parlement, c'est comme si on avait plus la paix. Ou bien, cours de cassation, ou bien presque 6 mois, 9 mois, va fonctionner, ou bien plus la paix. Mais qu'on a depuis 9 jours, à part l'émotion, peuple a passé, parce que comme ça, par le président, et comme si on avait plus la paix. Donc, c'est ce qui est monde qui est dans l'État, qui était passé comme effectivement des emmerdeurs pour le peuple. Hein? Qui était passé comme des emmerdeurs pour le peuple. C'est comme si nous n'avons pas des choses qui nous peuvent faire que la vie sans l'État. Naturellement, nous avons vécu sans l'État, ça, on connaît. Hein? Nous avons vécu ce gouvernement, ça, on connaît. Il faut nous pousser, parce que si on ne peut pas presser, le peuple a toujours la machine. Parce que nous ne pouvons pas faire rien. Donc il y a des groupes de réflexion. Le groupe de réflexion, ça, il faut le passer, ça m'aide, commission de vérité. Nous ne pouvons pas capter la vérité. Des élites du pays ne peuvent pas capter la vérité. Des élites morales ne peuvent pas capter la vérité. Ça ne veut pas dire que nous allons mettre le monde en prison, c'est pas ça. Mais nous condamnons pour nous vivre ensemble. Mais pour une réconciliation nationale. Mais je vais finir là. Si pour une réconciliation nationale, il faut faire autocritique. Il faut garder tête nous, il faut faire bien. Non, mais même pas parler pour aller mettre mon opinion, c'est pas ça qui est important là. Mais il faut regarder tête nous. Parce que de toute façon, il faut aller vers une réconciliation nationale. Mais il faut nous faire vérité sur faillite là, sur crime. Et puis après, nous gardons tête nous, nous gardons l'autre, nous ne pouvons pas jamais arriver là encore. C'est le premier pas à faire. La commission de vérité est vers la réconciliation. Nous, peut-être, mais vous faites quoi aller devant le juge? C'est comme ça pour nous, le pays. Nous ne pas dire, mais comme le cas du journal, pour le cas de l'autre, ça, vous pouvez dire encore non. C'est même le dire, nous allons faire mesdames, nous condamner pour nous vivre avec les États-Unis. Ouais. Si ça va finir dans le pays, l'État sera fini. C'est l'État des États-Unis depuis 1919, Paris. C'est lui qui finit la net, n'est-ce pas? Pour nous rien. Hein? Et j'ose dire, puis après, je me bats, tout le monde dit, m'a fini exactement là. Oui. La porte directe de l'État national, en particulier des États-Unis, ne peut pas sortir. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Alors, on ne peut pas utiliser telle intervention par la mort d'un corps, etc. Mais, on a utilisé le mot oubli. Afin d'être une proposition nationaliste là, non. Ok, pas comme ça. Il faut un accompagnement direct fort. Des Nations Unies, des Américains pour nous sortir pour tenir là. On dit accompagnement militaire ou pas? Toutes sortes, mais qui n'ont pas de bonne sécurité. Et quand ils n'ont pas de bonne sécurité? Si parce que bleu parvient là, comment on va continuer à circuler? Mais on dit qu'on va le fédérer là, vous n'avez pas une réponse. Même dans le secteur privé, c'est financé, je veux dire. C'est bien, oui, c'est une question là. C'est bien, quelque chose, le secteur privé, c'est financé, gagné. Mais on dit qu'on va le fédérer, vous n'avez pas une réponse. Pour que ça va continuer la chose. En ce cas, que les États-Unis, les Français, les Canadiens, vont changer d'interlocuteur et référentiel. Hein? Donc, c'est ça. Alors, le politique, on va le gommer là, la semaine prochaine, là, il est pop. Ou pas le voyou par un gouvernement. Et puis, les hostilités vont le déclencher. Et bien, Blanc Pouvina, en obtenant une étude pour nos prêts, avant nous dit, non, nous pas éviter Blanc. Parce que d'ailleurs, c'est une obligation morale. Et vous devez assister à toute personne en danger. Vous devez assister à tout peuple en danger. Le peuple haïtien est un danger. C'est deux fois des États-Unis d'Amérique d'intervenir. C'est moi, bien. J'ai parlé avec vous, vous voyez comment on a fait bagarre là, cette fois-ci. Monsieur Fortuné, si vous comprenez bien, il faudrait lire. Entre les lignes, et M. Biden qui dit l'idée d'envoyer des forces américaines en Haïti n'est pas dans l'agenda pour le moment. Il mettait pour le moment. Pour le moment, c'était un système diplomatique, c'était deux choses. Il a envisagé lui, il peut faire immédiatement parce que ça se prépare, vous comprenez? Et puis c'est la diplomatie, on va faire du conseil pour communiquer, pour dire au chef, nous l'avons fait le 9 juillet. Nous l'avons fait le 9 juillet, c'est pas comme ça que ça fait. Mais communiquer, ça intéressant. Pour le monde qui a fait diplomatie, il a fini. Mais quand il a pour nous préparer, nous, les ovinis,
pour nous dire, mais ça nous a aimé, mais ça nous a souhaité, et puis pour nous dire, mais comment pour nous faire un tir en lui intervention faite en pays depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui. Ok, dernière question, non, Gamon Guidi. Dernière question, non, Gamon Guidi, ah, et Premier ministre Claude Joseph là, et gain on frange, non. Famille PHTK qui avait li bouclier PHTK et on frange avec mais on l'autre frange qui pas vle wè li et quelque part il y a regardé comment yo ka louvoyer pour Kimbi. Gen moun ki di et Ariel et ses dernières volontés président docteur Ariel Henry li vini là pour ta gon espèce de recomposition avec un peu de partage du pouvoir pour calmer certains moun dans opposition mais encore une fois c'est colmatage qui a fait. Et gen moun ki di bon côté Lambert là et parti politique qui allait au PHTK et d'autres entités politiques c'est on recalcule le digne, il y a peut-être un GPS qui simplement font pas dire mais il remettait le tout rapidement pour l'aller. Et il y a quelqu'un qui dit clairement, et là, il y a une bataille pour le pouvoir qui a dessiné et a fait Haïti, pourquoi régler là. Ou dit ça, ou en filigrane pendant toute interview. Mais maintenant, je dis, ça va dire à la jeunesse, à l'église catholique, au Petro Challenger, à toute la partie saine du secteur privé des affaires par rapport à ça qui pendait sous tête nous là. Et c'est ma dernière question avant Benson de conclure avec vous. Bon, mon petit réponse avec okay. M. Fortuné. Tout ce qu'on voit là, il y a un jeu électoral. Par exemple, il y a mon qui dit Claude Joseph, c'est le lieutenant Laurent Lamotte. Il y a mon qui dit Lambert, c'est maintenant général de président Matéli. Il y a mon qui dit que Ariel est capable de faire front à différents secteurs, en particulier pour PHTK, parce qu'il était ministre président Matéli, etc., etc. Ça, c'est important, mais je dis à. Bataille pour le pouvoir, ça, c'est lui. Oui, pas de rien encore. Et pas de rien encore. Ça, tu es fait là. C'est quitter le palais national tranquille, quitter Primature tranquille. Il y a un groupe de sages. Ça veut dire, nous avons le droit de prendre trois membres de la conférence épiscopale, nous prenons trois membres, trois juges de la Cour de cassation, nous prenons sénateurs. Nous sommes arrivés jusqu'à 11 à 15 membres qui ne parlent pas pour le pouvoir, nous, qui réfléchissent pendant une semaine pour faire une proposition à la nation. Mais pas pour qu'on veut pouvoir sur le primature. Tout bagaille est normal là. Vous comprenez si vous avez l'argent à payer la police. Si vous avez l'argent à payer la police. Vous comprenez pas occuper le monde. Il n'y a pas de jeune dirigé. Il y a fait mafia qui a pris là-dedans. Mais la mafia est arrivée dans le bout de l'île. C'est pour nous chercher 11 à 15 membres. Nos partisans. Nos partisans. Et je me dis qu'il produit une réflexion. Nous ne sommes pas tout le monde qui a réuni de 5 partis politiques. Nous connaissons le système de manger tous les partis politiques. C'est Dieu. Hein? Il y a pas que ça encore, c'est pas une réunion de parti politique que vous avez fait. C'est un groupe de réflexion, même pas le qui peut vous jouer. On a l'université, le conseil de rectorat des universités, etc. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez approche technocratique des questions. Vous prenez 15 mounes qui disent semaine pour produire une réflexion sur la situation. Et puis maintenant, c'est réflexion ça, parti politique qui doit prendre, mais qui vise le pouvoir, tout le système privé qui doit prendre, etc. Pour nous continuer cette lutte-là. Hein? Consommation gasoline et carburant, c'est entre 60 et 80 millions de dollars américains par mois. Il y a la balance des paiements, il faut que nos administrations fonctionnent. Nous déjà avons une économie qui est en récession, et c'est la deuxième année en récession. Nous déjà avons un plafond de financement monétaire du déficit par la BRH qui a clignoté au rouge depuis un bon temps. Et au niveau financier, et si je comprends bien, il y a des difficultés par rapport à ça. Mais ce ne sont pas quelques chapitres, ce ne sont pas quelques chantiers, là, oui, mais. Jeudi à demain, après-demain, et une semaine, deux semaines, un mois après, l'administration doit continuer à fonctionner, le pays doit continuer à avancer, et si vous comprenez bien, M. Fortuné. Coucou nous, elle, dans le management day by day par rapport aux exigences. Ok, si on fait réflexion, en fonction des catégories occidentales, classiques, on ne peut pas comprendre ce qui a passé en Haïti. Nous parlons de la rationalité. Crise de la simplicité, de rationalité. Nous partions là-dedans. Mais combien de fois nous rentrons là-dedans? Pour nous rentrer là-dedans, à la lumière des réflexions profondes. On parle de fonctionnement quotidien de l'État. Mais les chiens ne sont là. Mais ça va être aillé. C'est là où les professeurs sont capables, où la police est capable, etc. Mais gros bagage qui s'est prêté dans le ministère des Finances, en particulier le ministère des Finances, c'est pas combiné. C'est pas combiné. Donc pour pas recouper au débat, c'est pas le peuple qui t'a prêté. Ce n'est pas un peuple qui t'a pris, ce n'est pas un pays qui t'a pris. Là, nous voulons les 3 milliards de dollars, donc nous ne pouvons pas mettre ça. Si nous sommes tombés dans la catégorie, c'est un peu plus. Pourquoi là-dedans, il faut que nous rentrions là-dedans. Pour nous rentrer là-dedans, nous prenons ta boule là-dedans. C'est le chaos, mais de toute façon, c'est un pays qui peut débrouiller pour faire balle. Il faut commencer par la réflexion. Merci, oui.
Mais avant nous aller net, on dit que sont capables de répondre en 30 secondes. On est capable de dire, si Gabriel Fortuné était contre le régime, sa président, Jean-Claude était contre Mac, et c'était pas fait pour le régime marché, qu'il était joué avec là, vous avez l'état supporté toujours. Moi-même, je suis passé avec le président Aristide, je suis passé à la balance, je suis passé avec le président bataille. Moi, pas à niveau président rival, je connais très bien, tel que je suis devenu sénateur, encore, et c'est mon qui dit non, 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 pas. Fonctionne ça des fois, parce que contre le président, même les même avec ma conscience et mes convictions, c'est ça, les citoyens. Pas jamais qu'une police partisane avec une critique pour le président ici, mais qui débarque pas pour le faire pour le président ici. C'est ça. Une critique pour le président Matéli, qui débarque pas pour le faire pour le président Matéli. Une critique pour le président Jovenel, mais beaucoup plus critique avec le président Jovenel, c'est toute l'opposition réunie. C'est toute l'opposition réunie. Et l'histoire de Poutine, rapport vraiment, rapport réellement avec le président Jovenel. Je dis à ce que je fais au Caribe. Donc c'est Gabriel Fortuné et c'est mon cap bataille avec le Colombe. Mais maintenant, nous utilisons des jeunes garçons, des jeunes filles pour intégrer l'institution pour le Pétro Caribe. Il y a des jeunes secteurs privés, des secteurs politiques, qui utilisent des jeunes garçons, des jeunes filles pour intégrer, utilisant leur ignorance et leur misère, pour intégrer le Pétro Caribe. Moi, là, jusqu'à présent, le Pétro Caribe n'est pas capable d'intégrer. C'est ça qui est intéressant. C'est qui ça me fait. C'est qui ça me dit. Merci à vous, Gabriel Fortuné. Bonne journée. Merci. Nous prenons une pause là où nous allons rentrer dans la lecture et décryptage éditorial qui n'a mis besoin de ce matin. À quoi servent les examens officiels des siens? Je Fares, je remets tout de suite. Magic 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Mon confrère de l'association journaliste et économique qui est avec nous pendant quelques minutes, qui va nous des détails sur le mess de QIMZ qui a fait en mémoire, journaliste de la division 2000, Diego Scholl. Et Antoinette Duclair demain samedi à partir de 7h30 dans l'église Saint-Louis de France. Et Ruben Dumont qui est avec nous, bon l'autre collègue, et pour que nous, parler de questions ça assez rapidement. Et nous allons entrer avec Jean-Daniel Notre-Dame. Jean-Daniel, par rapport à la demande qui est faite par l'autorité américaine pour envoyer des troupes en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, le président américain Joe Biden, qui a répondu à une question journaliste hier jeudi, a dit que il n'y a pas de plan pour le militaire américain pour assurer la sécurité en Haïti. Selon Biden, et ça, pour le moment, il n'y a pas d'agenda. Plus passe une semaine après l'assassinat du président Moïse Dakaïli, 7 juillet. Nous, seulement, pour aller des marines ambassade nous pour assurer la sécurité, pour assurer que l'ambassade de la sécurité. Mais l'idée pour trouver des forces en Haïti n'est pas dans l'agenda à un moment là. C'est ça, M. Biden indiqué. Pour le moment, M. Biden, qui t'a répondu à une question journaliste, pas de détails sur la quantité militaire américaine qu'il a envoyé pour renforcer la sécurité en ambassade des États-Unis. Autorité haïtienne a été sollicité en voie de militaires américains en Haïti quelques temps après, en tout cas très rapidement après l'assassinat du président Jovenel Moïse pour, entre autres, assurer la sécurité en ensemble d'installations stratégiques d'un coup-port, aéroport, terminal pétrolier. Plusieurs semaines avant l'assassinat qui était fait sur le président Moïse, on a rappelé que le pays a gagné des situations, en tout cas toujours des situations de sécurité compliquées. En bas la ville là, en bas à contrôle bandit, et bandit, on sait de côté en bas la ville là, en bas contrôle bandit armé. Et gagné des. Presque deux mois là maintenant, depuis gagné. Donc écoute, Zam. Dans un certain nombre de concentrations d'infrastructures. Voilà, une concentration d'infrastructures stratégiques, notamment terminaux pétroliers. Maintenant, sur question troupes, ça, et demande ça, la France, c'est même pour Bhopal, et d'après un article appelé dans la Croix, mais qui est fait avec AFP, il plaide pour envoi de policiers internationaux. Ministre des Affaires étrangères, là, t'as l'homme de défense, il me faut fly. Ministre des Affaires étrangères, là, Jean-Yves Le Drian, déclaré hier, 16 juillet, qu'on intervention militaire panne. Enquête ça, il n'a pas révélé aucun lien avec le premier ministre en place là et suspect n'a pas fait aucune révélation dans ce sens là. C'est un capable dans notre de presse que le directeur général de la police a été mis dehors et que le téléphone pour de presse pour être capable de lire notre de presse. La police nationale d'Haïti fait une mise en garde contre toute manœuvre de diversion et lui renouveler détermination pour capable poursuivre l'enquête qui est en cours là jusqu'à aboutissement. Et il était fait connaître tout dans notre lame que il bénéficie de l'accompagnement technique enquêteur FBI et plusieurs autres techniciens étrangers pour capable mener l'enquête là. Et il a été posé déjà la question sur révélation, sur journaliste vénézuélien qui a posé la question en marge de point de presse là. Et bien, il a dénoncé ça dans une campagne de manipulation. Il a dit ça n'a aucun rapport, c'est pure manipulation, pas rien pour l'instant. C'est ça qu'il a répondu.
Puis bonheur dans matin, et c'est directeur général de la police nationale Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, qui a démenti l'allégation média colombienne. Nous n'avons aucune information dans ce sens-là. Nous n'avons pas de côté, l'information ça a sorti, alors que l'autorité colombienne n'a pas gagné. C'est ça que le général Jorge Luis Vargas Valencia a répondu avec une question directe sous révélation du journal colombien sur Twitter. Général là, il a rappelé que l'autorité colombienne n'a pas gagné information sur l'enquête là. On a précisé que l'enquête judiciaire là, hypothèse avec clarification sur l'assassinat, n'a pas dans main l'autorité colombienne n'a accordé toute coopération avec Haïti dans la convention mondiale Interpol qui composait 294 pays. C'est ça que nous sommes capables de lire. Et sous côté et Twitter et général là qui est directeur et la police colombienne. Maintenant, il y a plusieurs informations qui ont sorti, Robertson, dans la presse internationale, les médias colombiens, les médias américains, et la presse internationale, ils continuent à chasser informations pertinentes qui entourent le complot qui a porté la vie avec le président Jovenel Moïse. Eh bien, l'autorité colombienne, beaucoup de paroles, ils ont appelé Batalla pour faire lumière sur le crime et ça. Et c'est un groupe de commandos qui était au courant de complot qui visait, c'est un petit groupe qui était au courant de complot qui visait assassiner le président d'Haïti. C'est ça que le président colombien Ivan Duque l'a déclaré dans une radio, c'est l'AFM en Colombie. Eh bien, pour ça, c'est Miami Herald qui rapporte. Il précisait que le président Duque l'a assuré que l'administration parle que les dirigeants du pays Colombie, pour aller fournir de bonnes pistes dans l'enquête sur l'assassinat au homologue haïtien Jovenel Moïse. Il dit. Tout le monde a porté à croire que il y a un groupe important de monde qui est arrivé en Haïti à l'aveuglette. Ça veut dire, par contre, qui ça a été fait. Et donc, il y a eu une mission de protection supposée. Et il y a un groupe qui est plus petit, qui était apparemment, il y a des informations et détaillées sur opération criminelle et puis tout l'intention pour tout le président haïtien. C'est ça, il va Duque l'y mentionner. Et Monsieur Duque, c'est qui moun? C'est président pays Colombie. Ok. Ça veut dire, c'est un monde qui. Oui. Contre la bière, qui supposait qu'il y a une information. Oui. Et puis, tout le révélé que il y a un soldat qui était présent en Haïti qui était retourné en Colombie. Il témoignait dans le cadre d'enquête sur l'assassinat. Révélation président Duquea, il est arrivé et le matin même, côté chef de la police nationale colombienne, savoir hier, général de Jorge Luis Vargas Valencia, il était fait conférence de presse et explosive. Fait ça hier de présentation et Jorge Luis Vargas Valencia, qui est directeur de la police colombienne, et bien, il a été tweeté à partir de côté Twitter. Et dans la matinée, directeur Vargas, et bien, pendant la conférence, il reconnaît qu'il y a deux ressortissants colombiens, Realman Rivera et Dubelny Capadol, qui étaient participés dans la planification attaque contre le président Moïse. Nous connaissons que citoyen colombien Helman Rivera et Dubelny Capadol ont participé dans la planification, organisation, ça qui était initialement une opération présumée qui visait arrêter le président d'Haïti. Et peut-être ça, ils ont contacté plus de monde dans le pays. Nous. C'est ça, général là, il dit déclaré dans des propos qui est relayé par les médias colombiens El Espectador. Deux Colombiens, eh bien, il a contacté 21 autres compatriotes. Nous n'avons aucune information sur réunion ou bien communication politique haïtienne avec ces militaires colombiens. C'est ça, directeur et police colombienne. Eh bien, les mêmes lira poursuivre. Général Vargas, il communique l'autre détail important et sur enquête qui a mené avec autorité policière et Haïti, avec Colombie. Rivera, selon enquête là, il était recevoir environ 50 000 $ US de États-Unis avant public domité acheté à Miami. La police colombienne a travaillé actuellement pour capable identifier les gens qui étaient aidés à jouer un visa pour voyager. Il y a des rencontres entre Christian Emmanuel Sano et James Solage, et deux Haïtiens qui sont impliqués dans le crime, avec Capadol et Rivera, deux Colombiens qui étaient enregistrés. C'est ça que le chef de la police du pays colombien a lui-même expliqué. Parallèlement, il y a une information sur le New York Times qui paraît de date 13 juillet, à la fois dans la section anglaise et espagnole, et qui révélait un peu plus de détails sur la façon qu'ils ont été recrutés militaires colombiens. Selon le New York Times, M. Sayo, c'est un SMS qui a été voué par eux, qui dit. Et proposition, c'est qui ça? Gagne une entreprise américaine qui besoin personnel force spécial, commando expérimenté pour faire un travail en Amérique centrale. Nous allons aider dans le redressement pays ça en termes de sécurité et de démocratie, c'est ça. Et monde qui t'a payé vous un message là, et bien lui-même il va poursuivre et demander monsieur pour capable mettre en forme. Nous allons des pionniers, c'est ça que SMS là, et bien lui-même l'a ajouté. Et la plupart de ces militaires ça selon New York Times qui était examiné SMS là opération et opération de recrutement et qui était interrogé toute une douzaine de monde, et bien la plupart des militaires ont été contactés dans les mois qui étaient précédés, qui étaient venus avant et date de la mort de Jovenel Moïse par un groupe d'hommes d'affaires et parmi hommes d'affaires, ça a été basé aux États-Unis.
quelques moun yo recruté qui était induit en erreur sur projet a que yo était embarqué yo et promesse pour te bayo des milliers de dollars pour ben ça li pa kebe après que yo fin fait job là à travers des messages WhatsApp que yo était ensuite partagé avec les Times de Times et des vétérans colombiens qui expliquaient que recruteur yo te dit yo que yo pral combattre des gangs de façon pour améliorer sécurité protéger yo série de groupes potentat et puis tout démocratie a et puis aider reconstruire Haïti en lieu et place de mission nom ça que moun ki t'a recruté et te bayo et te di yo contre salaire et compris entre 2500 et 3500 dollars par mois 18 membres des troupes ça et ben yo jeune arrestation par autorité haïtienne et au suspect que yo lié à un complot qui visait assassiner président Jovenel Moïse trois nan moun ki sélectionné par recruteur yo jeune nan mort sur New York Times et sur le New York Times et ben il t'a semblé que Capadol un colombien qui joue après attaque là contre président il était un pion dans un complot et qui était pivas il était seulement un pion dans un complot qui était plus grand au sein de l'enquête des autorités colombiennes Rivera il était gagné des contacts avec Entriago qui c'est propriétaire CTU une firme de sécurité et qui sont société qui basée en Floride et James Solage un haïtien américain qui joue une arrestation tout dans l'enquête sur le président Entriago il va répondre avec diverses demandes de commentaires New York Times, contrairement avec le gouvernement américain, et bien lui-même qui nie toute implication dans le complot. De l'autre côté, plus loin, New York Times, eh bien, il n'a pas compris la fréquente, il n'a pas d'explication sur fréquente escale, chef de sécurité, fréquent voyage, et chef de sécurité par le national, là, Dimitri Ira, eh bien, qu'il a fait à Bogota, qui est la capitale du pays Colombie, pendant des mois avant l'assassinat. Dimitri Ira, il était traversé Bogota 6 fois pendant l'année en direction de plusieurs autres pays dans l'Amérique latine. Et il était passé au moins 2 jours dans la capitale pays Colombie. C'est ça, le ministre Colombie, la défense là. Et bien, lui-même, il était déclaré dans une conférence de presse de lundi qui s'est passé. Dimitri Ira, il est récemment placé en garde à vue, ça nous connaît déjà. Et selon Carl Martin, qui s'est associé à Ira, qui coordonnait l'équipe de défense juridique, chef unité sécurité générale des palais nationaux là, il était interrogé mercredi dans le bureau inspecteur général là. Ensuite, il devait être transféré dans le commissariat de Port-au-Prince. Après qu'il t'ait parlé avec Dimitri Ira, Carl Martin, il a déclaré avec CNN que la police lui fait connaître avec M. Ira que décision pour faire pour Kembele, c'est une décision qui sortit en haut. Il précisait que la police lui allait avec Zam et Dimitri Ira, téléphone portable, li, et que il était capable de parler avec lui, c'est grâce avec téléphone de l'autre policier. La police nationale d'Haïti n'est pas répondre à la demande de commentaires CNN. Dimitri Ira espérait que Libral gagne une enquête équitable. Maintenant que des instances internationales, tant qu'Interpol, FBI, ont impliqué, c'est ça que associé Ira là, M. Martin, eh bien, il a déclaré, il a ajouté que le travail lié à la politique et lié à pile opposant politique. Ça, c'est un article qui est sorti dans le journal de Nouvelle sous diverses informations que la presse internationale a partagées en lien avec l'enquête. Patrick, c'est un gros travail de ramasser toutes les informations pour mettre en place maintenant pour partager avec le public là. Oui, mais question a toujours été entière. Oui, non, il y a des questions qui étaient entières. Maintenant, une petite question très simple. Vous avez tout président? Non. Yes, si vous êtes tout. Non, ça va finir par contre. Pour tout, chef, parce que c'est pas même qu'après l'enquête là. Mais. Jeudi a fait combien de jours? Jeudi à vendredi. En principe, jeudi a fait 10 jours. 10 jours, un peu comme chronologie des faits, non? Oui. Tiben? Oui. Un peu comme chronologie des faits, c'est-à-dire pour okay. Dire, en fonction de l'élément d'information recoupé, de l'appel qui était lancé, qui est exactement l'individu attaqué comme président, qui est le président mouri, sur place, qui est-ce qui était là? Ça a dit, qui téléphone qui était borné dans l'espace côté président hier, qui comportement responsable sécurité de te gagner dans moment ça, sont ensemble de questions qui sont dans le premier petit cercle là, vous supposez joindre. Parce que, autant que le premier dame, je suis premier témoin. Je suis premier témoin. On parle de policier qui était. Oui, policier qui était dans le cas là. Je suis premier témoin. Et il y a des gens qui ont fait investigation pure, je dis les premiers témoins sont potentiellement les premiers suspects également. Donc, et n'a pas de chronologie. Bon, je dis à la moi, il a annoncé en conférence de presse dans la résidence officielle et pour le ministre. Il a pris bonne question sur l'enquête là, sur funérailles et sur allégation des médias de médias Colombia et noticias Caracol. C'est ça, et il y a informé nous là. Donc, une invitation. Donc, et ça, c'est aux conférences de presse qui est intéressant pour mon attitude. Mais encore une fois, il y a des éléments de base sur la chronologie. Qui est-ce qui est mon président intérêt? Dans un moment ça, est-ce qu'elle t'est senti menace à ta vini? Est-ce qu'elle n'a pas senti menace? Un ensemble de questions et qui gagne des réponses et que n'a pas. Et gagne des agents du FBI qui sont sur le terrain.